retournant sous terre, j'avais soudain réalisé que ma ville était à présent un endroit hostile et étranger pour moi. Je me sentais en sécurité ici, dans l'obscurité du métro. D'autant que Bourbon prétendait avoir des amis à la station aride. Écoute-moi. On se déplace sans faire de bruit pour jeter un œil. Si on ne voit pas mes amis, on se barre d'ici. Salut à toutes et à tous, c'est Kobagourou. Je reprends l'histoire de Métro 2033 Redux. Je me souviens de cette grille. On a qu'à... Donc on vient de redescendre, rentrer dedans. Bon, reste ici. Donc là, je suis toujours en cinématique. Attends, qui va là ? Hé, écarte-moi un peu. Oh, mais regarde qui c'est. Bourbon l'ivrogne. Et regarde qui parle. Conduis-moi à ton chef. J'ai des choses à voir avec lui. Mon chef ? Mais bien sûr ! Alors, allons voir le chef. Où tu voudrais aller d'autre, toi, hein? Ok, ça suffit. Sinon, on va devoir le traîner. On se maille. On finira ça plus tard. On se maille. Bon, donc Bourbon s'en est pris plein la tronche. Mais, vous le voyez, il a laissé ses affaires. Y'a que des rats ici. Ok, alors on y va. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'ai toujours le fusil, le pistolet, et maintenant j'ai un AK. Putain, c'est quand même dégueu. Bon bref. Je sais plus si il vaut mieux pas que je passe de l'autre côté. Voilà, ouais, j'aurais dû utiliser le couteau. J'ai fait une boulette. Donc là maintenant je vais devoir assumer. Donc je suis au maxi. Vous voyez qu'on ne peut pas transporter plus de 5 medikits. Alors il y a une chose à faire dans cette situation. Alors c'est toujours ça le problème dans ce jeu. C'est que j'ai besoin de récupérer des munitions, vous le savez. Parce que je joue en mode survie. Et si je récupère pas ces munitions... Mais pourquoi il est mort lui? Tiens, il est mort, je sais pas comment il a fait lui. J'ai pris le rebord avec mon couteau en tant que chien. Wow. Et ils y vont fort là, avec les explosifs. Alors moi j'ai tendance à tout chercher, surtout dans cette situation. Hop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce serait pas un lance-flamme, ça? Ah non, c'est qu'il est avec un silencieux. Ah ouais, mais... Oh putain,
façon, il n'y a pas assez de munitions, donc je préfère rester avec mon arme. Il faudrait que j'essaie d'aller récupérer mon couteau là. Je sais pas où je l'ai foutu. Au niveau de l'ambiance, l'atmosphère, des graphismes, ils ont quand même... Ah tiens, alors lui, il a une lunette. Lui, il a un silencieux. Vous voyez, chaque arme est différente. C'est un canon comme le mien, sauf que bah, il n'a pas la même... crosse. Donc il y a aussi des arcs, des arbalètes, pas des arcs, des arbalètes, donc on a des carreaux, des flèches. Où sont mes couteaux? Donc vous voyez, il y a des pièges, hein, il faut faire gaffe. Voilà, j'ai récupéré mon couteau. Donc là, je récupère des munitions. Il faut faire gaffe. Je vais peut-être essayer d'utiliser celui qui a un silencieux. Non, c'est pas un silencieux qu'il a. Regardez ça. Chaque arme est différente, vous avez vu? Alors, ce que je peux faire? Voilà, j'ai éteint. Cette arme n'est pas la meilleure, mais bon. Qu'est-ce que vous croyez? J'arrive à me débrouiller, hein. Je suis pas si mauvais que ça. Oh. Comment j'utilise déjà les grenades?
Vous avez vu son arme? C'est fou, hein? Ah, je ne peux pas récupérer ce... Je dois être plein. Donc il faut rester sur ses gardes parce que je voulais... Déjà dit, il y a des pièges. Par exemple, comme ici. Ah ben voilà mon couteau. Moi j'aime bien tout éteindre. Vous avez vu là les pièges? Ça reste des pièges, hein, même si c'est que des canettes suspendues, ça reste des pièges. Des avertisseurs. Je vais essayer d'aller faire le tour par l'autre côté. Yo, super, un couteau. Oups. Vous avez vu, hein, je suis obligé de tirer avec parcimonie pour économiser mes balles. En essayant de déviser la tête. Parce que j'ai voyé, voilà, il me reste plus que 10 munitions. Alors, y a-t-il d'autres ennemis dans le coin ?
passe de partout parce que j'essaie de récupérer, de voir si il me reste, si je peux trouver des munitions. Bon, je crois qu'il faut que je m'avance là-dedans, en espérant. Alors, j'avais déjà tout regardé. Vous l'avez vu celui-là? Bon, j'avais déjà éliminé tout le monde. Ah, j'aurais aimé pouvoir prendre le casque là quand même. La musique qui continue, comme si de rien n'était. Oh là 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 là, mais donnez-moi des munitions. Ça y est, ça recommence. Truc de fou. Il est passé, il est juste derrière toi. Alors vous voyez qu'il y a un point rouge, je suppose qu'il y a un sniper. Oh, un pistolet avec un silencieux. Géant. Con. Oh putain. Et quand on est con pour faire des conneries, on est champion. Oh mais plus. Oh, volé là. Il bouge pas, hein, vous avez vu? Il réagit pas, hein. Ça pour nous insulter, ils sont forts.
Oh. Donc, j'ai tout rempli. Il est où, lui? Il est là-haut. Bon. Des munitions. Ah. Oh, bien sûr, leurs munitions sont là derrière. Donc c'est comme ça que on récupère la K-47, hein, puisque Bourbon nous l'avait promis, mais en fait... Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, vous avez vu ? 60 munitions, on va pas loin avec ça. Hein. Dans ce jeu, on va vraiment pas loin. J'hésite à savoir si je garde celui-là. Ou si je pars sur un fusil à pompe. Il est bien. Hein. Il fait peu de dommages. Mais... la lunette est... très 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 importante. Bon, bah, la zone est terminée. Qu'est-ce que t'as mis avec toi? Réponds, tu es... Artyom! Et voilà. Bourbon nous a quittés. Avec bravoure. Tu peux baisser ton arme, jeune homme. Qui c'est celui-là? Une fin triste mais prévisible pour quelqu'un de son espèce. Je m'appelle Khan. Eh bien, je suggère la colère de Khan sur le champ. Les compagnons de ces bandits. Évitez un autre bain de sang. Je rentre à la station maudite. L'humidité ici réveille mes rhumatismes. Si tu veux connaître le même sort que ton ami ne te gêne pas, reste ici. Non, je veux pas rester ici. Mais, cher monsieur, je veux récupérer tout ce que je trouve.
tout autant qu'on trouve certaines choses. Ah, vous voyez, je vous ai dit, il faut tout chercher. Alors, effectivement, ça fait pas une belle vidéo. La boussole qui le montre lui. Bye bye Bourbon. Merci pour l'arme. J'en ferai bon usage. Décision. L'apparition de Khan m'avait pris par surprise. Pourtant, en combattant les bandits, j'avais senti que quelqu'un m'aidait depuis l'obscurité. Khan m'avait assuré que le destin de Bourbon n'était pas lié au mien. Mais je regrettais sa mort. Il faut pas être arachnophobe parce que... Je me souvenais pas qu'il y en avait autant d'ailleurs. Les hommes, ni les monstres. Peut-être un rajout de la version Redux. Oula. Ils savent qu'on est là. Approche-toi des tuyaux. Ne reste pas trop longtemps. Certains disent que c'est la voie des tunnels, d'autres croient que c'est une sorte de force psychique. Je connais ce tunnel, et lui me connaît aussi. On y va. Garde bien ta lumière allumée, mon ami. On risque de rester coincé ici pour toujours. Arrête-toi et regarde devant. On ne sait jamais ce dont ces choses sont capables. Il faut continuer. Ne touche pas les silhouettes. Concentre-toi. Bam. Quel bécile. J'avais complètement oublié. Oui, je me briquais moi. Pousse-toi sur le côté, Artyom. Train fantôme. Ben voilà, ah, c'est un train fantôme. Quand je pense que je l'ai pris, ce train est condamné à revivre son passé encore et encore. Et ceux qui ont la malchance de l'emprunter à ce moment-là le revivent aussi. Ah,
Ouais, c'est ce que je vous expliquais. Pourquoi j'ai pas la possibilité de marcher à la même vitesse que lui? Regardez. Pas normal. C'est pas normal. C'est pénible, hein. Les développeurs, messieurs les développeurs, je vous en prie, faites quelque chose. M'explique. Je préférerais garder ça secret. Oh. C'est personnel. Vous m'avez entendu, dites. Il savait que j'allais lui poser la question. Lorsqu'ils sont morts, je suis le seul survivant. Oh. Vous avez vu tous ces champignons lumineux? Oh. Le rat qui a fait tomber. Oula. Il y a de l'ennemi. Que je fais, je dois ouvrir la porte. Bon sang, ce malheureux vient de... Les choses vont mal là-bas. Pourquoi il a pas de munitions? Ah, zut alors. Allons-y. Vous imaginez le nombre de munitions qu'il faut pour éliminer tout ça? Concentre-toi.
Tu as un sixième sens, apparemment. C'est un talent rare, tu devrais l'utiliser. Ne bouge pas. Ne bouge pas. J'ai dit, ce jeu, cet univers était géant. On appelle ça une anomalie, un phénomène nouveau dans un monde nouveau. Ouais. T'as vu, il y a des trous de partout dans les plafonds, c'est... Jamais de munitions sur eux, c'est chiant. Prépare-toi, les monstres. Ils sont d'une résistance, c'est hallucinant. Plus de munitions. Ne bouge pas. Pas besoin d'intervenir. Ouais, ça aurait été bien s'il était intervenu avant. Hein. Donc ça marche comme ça, une démonstration en direct.
J'espère qu'on est proche d'une station là, hein, parce que c'est la cata. Le tunnel devrait être sûr. On devrait pouvoir passer facilement. Au final, le fusil à pompe, hein, il est drôlement important. J'ai plus de munitions. On y va, petit. Les défenseurs ont sûrement besoin d'aide. Garde-y ! Encore une. Tous les survivants sont ici. Je doute qu'on puisse voir le jour se lever. D'où viennent les monstres ? Comme d'habitude, du tunnel à gauche et du carrefour. Envoyez une équipe de démolition. Mais les hommes sont jamais revenus. Il n'y a plus personne pour y aller. Artyom, tu veux vraiment sauver ta station de son destin, non? Ici, cette station fait déjà face à son destin. Il faut lui venir en aide. Retrouve les restes de l'équipe de démolition. Ils avaient une bombe avec eux. Ouais, je m'en souviens. Traverse le tunnel de gauche le plus vite possible et cours, l'explosion sera massive. Quant au carrefour, on l'a déjà enterré une fois. Mais on dirait que les Nosalis ont creusé à travers les décombres. Il y avait un sas pas loin, il doit être ouvert. Essaie de le verrouiller ou de le démolir. Je resterai ici, avec les survivants. Essaie d'attirer les monstres vers nous, ils sont trop nombreux. Voilà, et donc, ben, je peux pas changer d'arme. Alors oui, j'ai récupéré des munitions. Le problème, c'est que ben, je suis full de munitions pour le fusil à pompe. Vous voyez, en haut. Mais j'ai plus de munitions au milieu. Je suis à sec. J'ai 5 grenades d'incendie. Alors je vais sélectionner ça. Et puis j'en arrête là pour aujourd'hui, hein, parce que ça fait une longue vidéo. Si vous connaissez pas Metro 2033 Redux, il vous faut le faire une fois dans votre vie, parce que c'est intense. Il y a une histoire qui est intéressante, prenante. Et puis vous avez vu, hein, ben, y a un mix entre les monstres, les ombres, les humains. Donc, on a, c'est toujours, régulièrement, on a de l'action et de l'action toujours très intense. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils avaient fait de cet univers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Metro 2033 Redux. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Salut, bye bye.